Hey Monji, déjà 3ème épisode. Vous avez l'air de plutôt bien kiffer la série justement. Pour la prochaine, je pense te concocter un petit deal spécial US-UK. Parce que vous êtes quand même pas mal à me le demander sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésite pas à y faire un tour. Hein. Et aussi, bah, à me balancer en commentaire des petites perles anglophones encore dans l'ombre pour le prochain épisode. NANI ! Le 18 août prochain, je clippe le 4ème épisode de Juice. C'est une série qui, bah, me rapporte clairement rien, je vais pas te le cacher. C'était un choix personnel dès le départ, je voulais vraiment tout prendre à mes frais. Mais forcément, cette volonté, bah, elle me bloque un peu en termes de possibilités de réalisation. Donc si jamais ça te chauffe, en description, tu peux me soutenir gratuitement avec YouTube. C'est une plateforme où tu mates simplement une publicité et je récupère une petite commission de 5 voire 10 centimes pour certaines pubs. T'as capté, le but c'est clairement pas de faire de l'oseille, hein. Juste de réduire bah, un peu mes frais et d'ouvrir d'autres possibilités de réalisation et puis bah, tout simplement de te faire participer au développement du truc si tu kiffes le délire. Enfin bref, c'est parti pour ce 3ème épisode avec la présentation des 3 artistes. On commence tout de suite avec du très très sale, comme dirait un collègue. Tu connais sûrement Laylo, un des artistes qui m'a personnellement le plus matrixé ces dernières années avec Jossman. Bien, pour aujourd'hui, je voulais te parler d'un de ses proches. Je veux bien sûr parler de Wit. Originaire de MTP, le G est rappeur et producteur. Encore du self-made, hein, tu me connais, j'apprécie ça. Je trouve sa musique hyper intéressante. Dans un univers qui se rapproche de son acolyte Laylo, Wit apporte une touche de soleil dans sa musique, avec des inspirations très méditerranéennes, si je peux dire ça, et d'un autre côté, un truc hyper futuriste. Ça fait plaisir de voir des artistes avec des univers aussi peu communs et distincts des autres, surtout quand tu vois toujours les mêmes visuels et flous à longueur de temps. Enfin bref, je pense que j'aurais beau parler, je pourrais pas vraiment te faire comprendre son délire. Donc laissons parler de la musique, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour découvrir un artiste. Vers l'oubli et marchons vers le pire. Car elle n'est pas arrivée. Où je l'attendrais sur une chaise au fond d'un bar privé. Sans rien donner, on va pas se priver. Fais-tu par la tête, pas moelleux comme la pâte à modeler. Vision impure comme la liqueur dans le gobelet. Je mets tous mes pères dans le couplet. Stop ça, jamais je stop. Jamais je stop ça, jamais je stop. 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 Déjà deuxième artiste de cette sélection avec Boca Boca. Je sais pas trop pourquoi je le dis comme ça, mais artiste fraîchement présenté sous l'insigne du Jeune Club, le fameux label de notre gentleman belge préféré Chrissy. Après un projet en 2015 et un autre, Supernova, sorti en 2017, Boca prouve de nouveau que la Belgique est loin d'avoir montré ce qu'elle avait dans les tripes en termes de musicalité. Tout est là, le flow, les prods sont toujours léchés, les mix sont clean, bref, un bon cocktail qui fait plaisir et que je vais m'empresser de te faire écouter, parce que si tu connais pas, faut vraiment pas que je perde une seconde de plus, donc allez hop, écoute-moi ça, c'est parti. Avec le sourire t'as le seum, hey, avec le sourire t'as le seum, et je rentre, toi tu sors, moi je rentre, est-ce que je t'aime, j'ai dit non, non non non, on s'entend. Ça se voit tellement, t'aimerais que je tombe, ouais, ouais, ouais. Et je le croyais que moi, je suis seul au monde, ouais, ouais, ouais. J'parane, c'est pour de vrai. Oui, dans ma tête, tous ces négros sont faux. Si je suis né seul, je serai seul à la mort. D'ici là, nourrir ma tête puis mon corps, j'en ferai de même. Ah ouais, je t'aime, c'est vrai, ta paix sous la peine. Ultime et dernier artiste de cet épisode, c'est Dejmi. Tout droit venu de Genève, c'est un membre du fameux Super Wack Click, dans lequel tu retrouves une bonne team de G's déter dans la musique, et notamment Slimka, Makala ou encore Dime, pour ne citer que. Il y a un truc que j'arrive pas vraiment à définir chez l'artiste, mais je trouve qu'il y a une putain de prestance et une aisance incroyable dans ses sons. Son délire est beaucoup plus turn-up et street par rapport à ce que j'ai pu te présenter juste avant, mais au moins il y en a pour tout le monde, et au moins j'aurai moins de petits malins en commentaire qui me sortent des. Eh hey, mais c'est nul! Rap de Yankee. Alors, juste ceux qui me sortent ça là. Vous méritez des claques vraiment. Éduquez-vous avec la vidéo de mon gars le chroniqueur seul sur le sujet, s'il vous plaît. Enfin bref, prépare-toi, je laisse place à la musique. Mais pour ta fume à naissance, se conduisent comme des adolescentes. Les grosses folles contre la boxe, extrême, on trompe la mort. Avec ou sans mes potes, extrême concert, c'est la méthode. Je rappe comme personne ici, les plus grands qui me félicitent. Chaque clip on dirait c'est mon anniversaire. J'ai comme tac dans les Beaujolais Neymar. Je me rappelle du visage triste de ma mère quand y'avait pas de plumard. Qu'elle dormait sur le sol. Sur scène c'est mon côté bestial. Parle pas à la seule immédiat. Elle veut les regarder, putain c'est une experte. J'aurai clip et c'est mon anniversaire. C'est déjà la fin de la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à checker le dernier épisode de Juice. Moi je retourne au fourneau, tourner la suite. Je te laisse là, à plus.